Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien et de mieux en mieux chaque jour. Les derniers jours, je vous avais posé des questions à propos de la manière dont je pouvais vous aider. Et hier, je vous ai partagé certaines questions, une partie des questions, parce qu'il y en a encore tellement, que, par exemple, si vous voulez poser, je pouvais peut-être vous accompagner. Là, aujourd'hui, je me suis dit, mon objectif principal avec ces lives, c'est surtout vous transmettre de l'enthousiasme créatif, qui plus est, et si c'est possible. Et en fait, si vous retournez et que vous regardez tous mes lives depuis le début, ce que je vous ai partagé, mais ce sont les choses que je sais faire et ce sont les choses avec lesquelles je peux vous aider. Mon objectif n'est pas spécialement de vendre des accompagnements, de vous inciter à demander des séances individuelles ou quoi que ce soit. Mon objectif principal, c'est vraiment partager l'enthousiasme, transmettre tout ce que j'ai appris et comment ça fonctionne, la manière dont moi je l'ai expérimenté dans ma vie. Et ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, les personnes qui croisent ma route et avec lesquelles on a fait un bout de chemin, souvent en amitié, que ce soit famille ou voilà, au niveau connaissance, j'aime leur partager ce que je sais sur le moment, ce que j'ai appris, ce que j'ai expérimenté. Et je peux vous dire, je peux par exemple expliquer comment ces personnes se ressentent, comment elles ressentent les choses. En fait, après, les personnes sont plus joyeuses, elles sont plus motivées, elles ont envie d'entreprendre des actions concrètes. Elles ont ouvert leur esprit à une autre manière de penser. Elles ont approché d'autres visions, d'autres manières de faire. Et en général, ça les met en joie. Il y a plein d'étoiles dans leurs yeux. Et ça, c'est, voilà, c'est win-win, comme on dit. C'est vraiment un bonheur partagé. Moi, ça me fait énormément plaisir parce que je sais que j'ai pu apporter quelque chose de joyeux, quelque chose de bien, des petites paillettes dans la vie de la personne. Et de l'autre côté, la personne se sent tellement mieux, a repris les rênes, entre guillemets, de sa vie, reprend son envie de faire des choses et d'avancer. Donc, voilà ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Donc, mon objectif principal à travers ces lives, c'est comment vous aider. Je vous partage des approches que moi j'ai testées, qui fonctionnent pour moi. Et si ça résonne avec vous, super. Si ça ne résonne pas avec vous, super également. Il y a d'autres personnes qui, voilà, qui vous conviendront beaucoup mieux. Donc je vais continuer à partager l'enthousiasme créatif chaque jour, au moins pour terminer ce défi de 100 jours. Et après, on verra bien. Sur ce, je vous souhaite un excellent vendredi et je vous dis à demain.